Non. Ah, mais, il faut trop de plaies comme ça. Ici, là, où c'est pas cassé. Bon, tu vas casser, ça va. Mais ici, là, où tes dents ne sont pas cassées. Compris. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mélangé le travail avec l'amour. Je suis tombé amoureux de ta camarade. Et dans mes enquêtes, il savait qu'elle traîne avec un certain Moubi. Tu es en danger. En danger? Tu es vraiment en danger. Arrête de m'inquiéter là, qu'est-ce qui ne va pas? Cette fille-là, Obima. Elle a fait quoi, Obima? Elle a fait quoi? Elle travaille avec la PJ. Je me préfère. Quand ça va pas, moi je me préfère. S'il te plaît, je peux te parler une seconde? Moi? Oui. Mais est-ce que c'est important? C'est toi qui me rends en tout cas. J'ai dit, en fait je t'ai vu venir de loin, je t'observais et puis bon. Ce que je suis apporté là, franchement c'est pas décent. Dieu il n'aime pas ça. Il est venu, il s'est donné à la croix pour nos péchés et tout ça, ça t'a pas... Creuve de bavardage. La prochaine fois, venez me parler, brosse-toi, ok? Oui, tu as demandé à me voir. La dernière fois, comment se fait-tu que tu as été la seule à rester là-bas et à présent tu es libre? Je ne te comprends pas. Quelle dernière fois? Dans le ghetto. Ah oui. En fait... Attends. Tu peux me dire comment ils ont su même qu'on était là-bas? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Je suis détective privé ou bien? Je ne sais pas. Voilà. Et puis toi, tu les avais venus, tu ne m'as pas prévenu, nous avions fumé, c'est seul. Ou bien? Oui. Et alors? Bon, alors, comment tu t'es échappé? Apparemment, il y a l'un d'eux qui fait partie de mes dragueurs. Donc... Ah bon? Oui. Et ce dernier, je le connais? Oui. Une fois, je vous ai envoyé l'adresse. Donc, tu sais très bien que c'est un gars de la PJ et tu nous envoies en mission sur ça. D'abord, tu baisses des tons, ok? Je suis pas ton enfant. Pas là-dessus. Et pour ton information, je ne savais pas. Voilà. Parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il était de la PJ. Et c'est ce jour-là que moi-même, j'étais aussi surprise. Pour voir le secrétaire. Bref. En tout cas, depuis ce jour-là, j'ai coupé tout quoi avec lui. J'ai bloqué ses numéros. Parce que moi, je n'ai pas de numéro. La prochaine fois, avant de faire tes... Je t'ai dit de baisser de ton quand tu me parles, ok? Et là, c'est moi qui parle. C'est moi qui t'ai appelé à te voir. C'est moi qui ai cherché à te voir et non toi. Donc là, tu te tais. Quand je vais finir de parler, si c'est ça, tu te lèves. Je ne t'empêche pas de parler. Je t'ai dit juste de baisser d'un ton, ok? Tu ne m'écris pas là-dessus. Si ça, on verra. Adjo, Eli, est-ce que toi-même tu sais que les filles des quartiers Brigues, là, elles sont précieuses? Attends. Non, laisse t'expliquer. C'est-à-dire que quand tu le vois là, tu as envie de faire des trucs vraiment incroyables. Et puis, il a remarqué, attends, non, laisse t'expliquer. Il a remarqué, Papa. Il a dit, elle quitte ici pour aller l'autre côté. Je te rappelle la dernière fois, l'autre côté n'est pas dit là. Ce sont des gens qui vivent comme ça, qui quittent là-bas. Attends. Donc, c'est maintenant que tu sais savoir. Il a dit, je suis. Non, attends, je te pose une question, attends, faut te calmer, ok? C'est maintenant que tu sais que les filles du quartier précaire là, elles sont précieuses. Je suis. Ok, allons, suis-moi. Yo, tu as vu cette fille avec qui je viens de causer tout à l'heure? Oui. Cette jeune dame va sortir tout à l'heure. Suivez-la très bien parce qu'elle est très dangereuse. C'est compris, boss.
Tu as quel problème? Non, vas-y. Libère, tu peux me parler. Tu sais que je peux me parler, non? Il n'y a qu'un souci. Bonsoir. Ah, Mako. Petit travail il faisait là. Ils l'ont chassé. Je ne sais pas dans quoi encore il allait se mettre. Ils l'ont frappé. Maman. Et ça s'est passé quand? Est-ce que moi je sais? Là, c'est compliqué d'être. Là, là, je crois que tu dois l'emmener à prier. Parce que c'est bizarre en fait. Sinon, qui prie? Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il peut prier, mais est-ce qu'il a un temple au moins? Il va aller dans une église? Mon cher, d'après lui, il prie. Il prie, mais bon. Il ne s'agit pas de prier aussi pour prier. Il faut respecter les 10 commandements de Dieu et puis bon, marcher selon le caractère de Dieu, tout ça. En tout cas, tu dois l'envoyer dans une église. Bon, peut-être qu'il va déjà à l'église, mais qu'il prie quoi. Il s'agit de ça en fait. Il doit beaucoup prier. Hein? Tu sais, c'est toi la femme. Lui, peut-être il peut être là, il ne veut pas prier, tout ça, mais bon, c'est toi qui dois l'emmener à prier. De ton côté, tu pries seul et puis bon, Dieu va faire, tu vois, non? Il ne faut pas désespérer, hein? Ce n'est pas cette mine-là, d'accord? Hein? Tiens, mais dis quoi? De l'amener dans ton église? Non, pas forcément dans mon église, pas forcément ça. Mais Jean, comme tu pries déjà, tu vas prier de ton côté seul, quoi, pour que Dieu l'emmène maintenant à prier. Il doit beaucoup prier. Peu importe l'église dans laquelle il va, là. Le Dieu, là, il est partout, hein. C'est le seul et unique Dieu. Il doit prier. C'est de ça qu'il s'agit. On a compris. D'accord. J'espère que, bon, tu vas y arriver, puis... Moi, je vais te laisser. Hein? Ok. Faut avoir la foi, hein. Ça va aller. D'accord. Donc, je suis partie. Je repasse le soir. D'accord. Tu rentres bien. Merci beaucoup. Marco, c'est mon mec. C'est moi qui lui loue sa maison depuis qu'il est ici. Et je suis même enceinte de lui. C'est moi aussi qui lui ai remis les 300 000 francs pour ses blessures-là. Et depuis que tu es là, tu n'es même pas fichu de le rendre propre, ni prendre soin de ses sales blessures-là. Tu es là, tu passes ton temps à manger seulement. C'est tout ce que tu sais faire. En tout cas, peu importe, tu as intérêt à ne pas avoir des arrière-pensées envers lui. Reste à l'écart de lui. Sinon, tu mourras sur ton chemin. T'as bien pigé, j'espère. Tu as fini. Parce que tu as quelque chose à dire. En tout cas, du courage. Enfant de deux pauvres.